Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit coussin hibou. C'est parti pour les explications. On commence par prendre le patron gratuit qu'on télécharge grâce au lien que l'on trouve dans la barre d'infos sous la vidéo. Le corps comprend les marges de couture. On reporte sur le tissu les éléments du patron. Donc le corps, puis le bec, les yeux, un ruban de 8 cm, un morceau de biais et la partie centrale des yeux. Donc pour ceci, je viens prélever 2 étoiles dans du tissu à étoiles. De la ouate servira à rembourrer le doudou. On commence par prendre le bec. On place un petit peu de colle à l'arrière pour éviter que le tissu ne bouge pendant la couture. On le positionne comme ceci et on fait une couture au point zigzag tout autour. On prend ensuite la grande partie des yeux. Donc on vient placer un petit peu de colle comme précédemment et on place le tissu à cheval sur le bec. On coud le tour au point zigzag. On se munit ensuite de nos petits ronds, nos petites pupilles, étoiles, et on les positionne sur le fond de l'œil. Là, j'ai choisi de les mettre plutôt au milieu. Mais on peut avoir un hibou qui regarde vers le bas, le haut ou encore sur les côtés. On coud toujours au point zigzag le tour de l'œil. On plie les rubans en deux. On les positionne bord à bord sur un des côtés. Et on fait une couture au point droit à 3 mm du bord. On prend le coupon dos du hibou et on le place sur l'avant, endroit contre endroit. Sur le bas, on vient placer 2 pinces espacées de 8 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner notre doudou par la suite. Et on fait une couture au point droit à 7 mm du bord. On retire le surplus de tissu au niveau de la pointe des oreilles. Et on crante le tour. On retourne le doudou. On prend soin de bien faire ressortir le bout des oreilles. On repasse au niveau de l'ouverture pour bien marquer le pli. On rembourre le hibou en commençant par les oreilles. Il ne nous reste plus qu'à refermer l'ouverture, soit en faisant une couture au point droit à 2 mm du bord à la machine, ou bien en faisant une couture invisible à la main. Et voilà, notre petit hibou est désormais terminé.
Voici d'autres versions avec d'autres tissus. Bonne journée, à bientôt.